le gouvernement nous tenir à dénoncer les propos d'amateurs du leader de l'opposition quand ils viennent dire que le prêt de 500 millions de dollars, la ligne de 500 millions de dollars qui vient accordée par Alain Maurice, c'est un cas que Beaumont aussi coûte cher. Les dénigrants pour l'île Maurice, premièrement, et les dénigrants pour l'Inde. C'est inacceptable et nous espérons que le leader de l'opposition répond lui et qu'il y présente une excuse. N'a pas tombé dans l'hystérie de l'opposition. L'Inde peut déjà amener une aide substantielle à l'île Maurice. Plusieurs projets qui sont en cours d'exécution. Le métro express. Nous avons ce qu'on appelle le New Supreme Court Tower. Nous avons un nouveau, le nouvel hôpital INT. Nous avons un projet d'accord de social housing et au gain tout peut venir bon, c'est coûte cher. Pendant que Xavier Luc Duval, c'est ministre des Finances, chaque année, les finances dettent l'île Maurice pour plus que 12 milliards de roupies. Alors aujourd'hui, nous demandons de grâce. Get que tout avant, nettoyez devant la cour. Le leader de l'opposition lui dit qu'il s'est fait le porte-parole des 300 habitants d'Agalega. Alors nous demandons de grâce. Si vous prétend être le porte-parole des 300 habitants d'Agalega, vous besoin de dire merci à nos premiers ministres. C'est parce que c'est la piste d'atterrissage là, et ça l'a jeté là, les PFR, d'accord, le cadre, c'est pour la promotion, hein, pour la promotion, hein, pour promouvoir le développement économique. Deuxièmement, la surveillance, le monitoring de notre zone économique exclusive, d'accord, la lutte contre la pêche illégale, le pillage de nos ressources pélagiques, le développement économique de l'île Maurice. Quand la piste d'atterrissage d'Agalega avait été construite, c'était sous un gouvernement majoritairement MSM. C'était la honte qui s'était osé dire qu'il peut vendre Agalega. L'île Maurice garde sa souveraineté l'eau Agalega. Quand la critique est juste, quand la critique est constructive, le gouvernement la prend, cette critique. Mais quand la critique est de mauvaise foi, telle qu'il y était l'eau Agalega, telle qu'il y était l'eau la ligne de crédit de 500 millions, et dans d'autres instances, là nous insistons, nous avons arrêté. Nous demandons que Mélène qui peut faire la pêche. Comment le ministre il fait dire dans quelles conditions avion peut descendre et avion a un droit de descendre, this demand emergencies. Parce que la piste est condamnée depuis très très longtemps. Deuxième affaire qu'il peut faire un jetty. Mais quand on peut faire ce jetty-là, une façon c'est que, pas juste bateau, Maurice pour capable accoster là-bas, mais aussi faire une provision dans l'avenir quand nous pouvons développer Agalega pour faire deviner une île touristique, mais un bateau de croisière capable de coster ce jetty-là. Il faut un jetty très moderne. Étant donné nous prenons une nouvelle piste, nous prenons une nouvelle jetée là-bas, nous capables dans la, à la longue nous mettre un avion douanier ou n'importe quoi, NCG, garde ça là-bas pour faire surveillance, parce qu'il n'est pas possible pour nous aller couvrir 2,3 km carrés de nos IZ qui nous est énorme, millions. Alors nous prenons une nouvelle jetée là-bas, puis nous prenons un bateau même capable depuis là-bas, passer fait bonne surveillance et pourquoi pas dans l'avenir nous faire à Galega un petroleum hub côté aussi un bateau capable de ravitailler les produits pour bon aussi pour ce pays là nous faire un développement économique. H1N1, celui qui va dire tout le monde peut paraître de prendre une inquiétude extraordinaire et nous les rassure la population. La situation n'est pas inquiétante, mais la situation demande de la prudence. Tenons à rassurer la population qui peina non rien d'alarmant avec la grippe, la situation dans ce qui concerne la grippe H1N1 à l'île Maurice. De propagande, d'accord, qui provoque une hystérie, d'accord, une psychose dans la population. Bientôt, pour dire qui a cause, va dire, gouvernement l'épée pour pouvoir gagner la grippe à NSN, SMNN. Arrête ça, man, couillonnade là, excuse-moi l'expression.